Et c'est quoi cette musique d'église là? Et on est là pour parler hip-hop aujourd'hui, hein? Ça c'est mieux. OP45 est une association du Loiret qui représente l'art des danses urbaines. Ce collectif de danseurs fait la fierté de l'agglomération au plus haut niveau, et ce depuis plusieurs années. Une bonne occasion pour moi d'évaluer mon niveau de danse. Mon niveau de danse et de souplesse aussi, visiblement. Virgilie, tu vas nous raconter un peu aussi hein, l'histoire là, OP45. C'est vraiment toi qui es à l'origine de tout, de l'association. Exactement ça, donc ça remonte à peu près à 15 ans. Okay. Donc c'était à l'époque, dans ma jeunesse, donc j'étais professeur de danse hip-hop. Si on vous avait dit il y a 15 ans, lorsque vous démarriez cette aventure de l'OP45, que le hip-hop prendrait une telle envergure, est-ce que vous l'auriez cru? Parce que le hip-hop est partout désormais. Ce qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est que le hip-hop, c'est une culture organique. C'est-à-dire qu'elle se nourrit toujours des influences afro, électro. Elle grandit tout le temps. Et donc, du coup, elle se renouvelle tout le temps. Donc, elle n'est jamais obsolète. Et quand tu côtoies cette culture, souvent, tu tombes fan et tu la gardes et tu grandis avec. Alors, Virginie, on a qui dans le crew aujourd'hui, là? Donc, on a Ali, Jessie et Elodie. Je suis entouré par des vrais pros. On a Elodie qui maîtrise aussi les danses afro. C'est ça, hein? C'est ça. Alors, moi, il paraît que mon bassin est raide. Mon cousin, c'est quoi? Il me dit, ton bassin, il est raide, Kavini, il est raide! Bah non, c'est ça. Ça va, ça, c'est pas mal, hein? Bah, alors, moi, il y a un pas de danse qui me fascine dans la danse afro. Tu sais, c'est le pas qui fait comme ça, là. Comme, je sais plus comment j'ai... Quoi tu veux dire, celui-là? Ah, c'est celui-là que je voulais. Ali, alors, quelle est ta spécialité, Ali? Alors, je suis plus dans le girly, donc ce qui va être plus avec des touches féminines. Donc, okay. Toujours du hip-hop, mais avec des petites touches de cheveux, des fois. Ah, moi, montre-moi vite fait un truc que je vais essayer de faire, montrer mon instinct féminin. C'est vrai? Ouais. Ok, on y va. Donc, par exemple, tu vas aller juste te recoiffer sur le côté gauche. Ouais, déjà. Déjà, il y a un truc. Voilà. Déjà, tu sens que ça monte. Tu vas décaler juste ta jambe droite et hop, caresser tes cheveux de l'autre côté. Attention. Ça lente. Ouais, oui. Vas-y, on essaie. Ah. Voilà. Oh, alors Jessie, as-tu trouvé quelques signes et quelques pas de danse sur les phrases suivantes? Je viens pas de la cité, mais le beat est bon, je viens pas de Paname, mais de Mardi Gaumont. Qu'est-ce que tu nous as trouvé pour danser et représenter ces paroles? Normalement, sur la musique, ça donnerait... tu chantes ou pas? Ouais. Pam, 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 pam. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Mardi Gaumont. Ok. C'est trop fort! Allez, musique ou pas là? Cadeau pour vous, les gens du Centre-Val de Loire. Girly. 5-6-7-8-8. I'm a pop star, not a doctor. Watch her, says she rep a whole different block. So I block the busy ass. Cooking fire with the lobster. Célébration africaine. Devant. Ah. 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 Eh oui, hein. 2, 4, 6, 8. Watch his factory.